Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le vendredi 7 avril, il est 23h moins le quart. Et en fait, je vais à la Video City Paris demain, comme j'habite à Strasbourg, 6h30 de bus. Je pars à 23h30, je suis trop excitée de venir à Paris, de vous voir certains d'entre vous. Et puis de voir les youtubeurs que je suis depuis pas mal de temps, que j'ai jamais eu la chance de rencontrer. Et puis c'est aussi l'opportunité de visiter un petit peu Paris. Voilà, donc je suis trop contente, je viens de faire un live sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, c'est Camille Hortense. Pareil sur Snapchat, voilà, en ce moment j'en fais pas mal, j'en ai déjà fait 3 ou 4 et oui, j'aime bien vous parler. Donc voilà, ça fait passer le temps, on se retrouve tout à l'heure. Bisous! Je suis arrivée à Paris! Il est 7h moins 5, il n'y a personne, on est place du Trocadéro, je suis jamais venue sur cette place. Donc je suis contente de voir, et il y a Johanna qui est avec moi. Et je suis contente d'être arrivée, on est complètement crevée, enfin moi je suis crevée en tout cas. Et on a dormi 6h du coup dans le bus, un peu moins. Yo me disait que c'était la première fois qu'elle verrait le lever du soleil. En fait on arrive juste à temps, genre dans un quart d'heure le soleil sera levé. Prendre une jolie photo. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right now. Bon, on est passé de l'autre côté, du côté de Champ de Mars. En fait comme il y a des travaux, il y a une dératisation sur la pelouse. On peut même pas y aller. Du coup j'ai fait mes petites photos pour Instagram, je ferai mon show ce soir. Et là on reprend le métro pour aller vers Porte de Versailles. Prendre un café, on retrouve Marine de la chaîne Marine Mendes. On a fait une vidéo ensemble, je vous mets sa chaîne ici. Et on est arrivé, on a eu un tote bag. Pour l'instant il n'y a pas trop de monde mais ça commence à se remplir. Il y a des photos cool en fait pour le moment. Et on va faire une photo au stand Instagram. Alors là il y a la file, enfin la file, il n'y a personne. On peut le dire, on vient le voir. The what the fuck friends. Hello. C'est quoi les vidéos que tu préfères filmer? J'aime bien les vidéos crash test, elles me font beaucoup rire, je sais pas si tu les aimes. Mais c'est le genre de vidéos que j'aime bien parce que je me dis si moi j'essaye, vous pouvez essayer après si ça vous plaît. Voyage tout le temps et avec deux animaux, déjà une à faire garder c'est compliqué, mais j'adorais lui donner un petit compagnon, j'aimerais bien. Hier on a vu que tu as fait une vidéo avec Florian, est-ce que tu vas en refaire? C'est un peu stressant en fait parce qu'on a peur, tu vois, que les gens ils commencent à juger la relation ou dire des choses, voilà, donc on fait attention, on y va petit à petit, mais je pense qu'on en fera. Lui il est bien chaud, il a des idées, moi j'ai envie aussi, je pense que ça va plaire. Bon, vous avez gardé le meilleur pour la fin, une photo de Choupa. Cet homme est activement recherché par la police. Je tiens à dire que c'est ma photo de permis de conduire, c'est une vraie photo. Donc voilà, à partir de ce jour-là, on a compris qu'il fallait se respecter capillairement parlant. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne, mais c'est un conseil qu'on n'a pas pu donner à Pierre. Voilà. Est-ce que parmi vous, et là je voudrais un maximum d'honnêteté, il y a des garçons qui ont déjà galéré, qui galèrent ou qui vont galérer avec des filles? Ah, là c'est moins honnête tout de suite. Hein. Voilà, donc ça c'est moi quand j'étais petit, et non, j'ai pas beaucoup pécho, je vous le dis tout de suite, hein, clairement. On va perdre des abonnés. On va perdre des abonnés. Hugo! Ah ça, le mec il reconnaît ça. Jacques et Michel.
nous, viens de Chine. Les noms de pays européens, oh la vache, culture générale. Ouais, vas-y, on est parti. Seb, toi qui commence. France. La Chine, allez. Le lotus. Le lotus. L'éléphant du Japon. Non, ça n'existe pas. Ah, si, si. Ça existe, vous connaissez le point. Oui, là, si ça existe, c'est une démonstration. Et c'est lui. Je vais pas faire ça. Non. Hulk. Wonder Woman. On a mis le chocolat, on a mis la totale dessus et on mange le papier avec, hein, ouais, je pense sur toi. Alors, c'est pas possible, hein. Attends, là, okay. Allez, on fait le décompte tous ensemble, attention. 3, 2, 1, top, c'est parti, allez, c'est parti. 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, allez, plus vite, on partage. Allez, c'est presque bon. C'est délicieux, regardez, elles apprécient. Oh là 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 là, elles en ont plein la bouche, c'est merveilleux. Et on est déjà à 17 secondes, c'est un véritable fiasco. On peut les applaudir quand même, les amis. C'est pas gagné. Alors les filles, je veux rien vous dire, mais il y en a plus par terre que dans le jeu de saladé. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors là, on fait la queue pour aller voir Perfect Decision et au stand. Au serpent. On vient de voir des abonnés, d'ailleurs, si tu te reconnais, c'est dommage, j'aurais dû t'intégrer dans le blog. Marine et Marine se retrouvent. Let's show them we are better. Let's show them we are... Mon quiz YouTube par exemple qui ressemble à rien à ce que j'ai fait avant, mais j'avais envie de faire venir des potos et de faire des questions autour de YouTube. Tu vas avoir d'autres quiz qui vont arriver. Attendez-vous à plein de choses différentes sur ma chaîne. J'espère que vous serez un genre et que ça vous plaira quand même. Si tu n'avais jamais de cheveux, est-ce que tu veux penser? C'est bien, mais pas top. Parce que quand tu fais des sketchs, en fait, t'as pas le temps de travailler les personnages. Donc, et là, on m'a dit, si, ton personnage, il a une histoire, il a un passé, je dis, oh. Comment tu fais pour aller dans la merde? Grosse question. J'espère que tu trouves de la merde. Accueillons Norman. Est-ce que ça va? C'est un bouton en or, en vrai, c'est du plastique, mais c'est en or. Voilà, bah merci beaucoup du jeu. Franchement, j'aime beaucoup votre site. Et là, c'est pas le tien, et c'est le malaise. Et là, c'est pas le tien, et c'est le malaise. Et là, c'est pas le tien, et c'est le malaise. Ah, c'est celui-là. Bravo les gars, pour cette expérience sociale. Vraiment, pensez pas un jour arriver dans ces stades-là. Voilà, merci beaucoup vraiment de fond de cœur. Alors, c'est un regard de ce que t'as fait d'être venu. OMG, c'est incroyable. Je suis hyper fière et je tiens ma communauté, c'est génial. Je vous adore. C'est tout. Bonsoir. Salut. Bon après-midi, tu fais bien. Je sais que je gueule souvent, mais là je gueule encore plus! Yeah!
c'est un secret. Là, il est 17h. On vient de croiser Léa Jou, genre par hasard, comme ça, à la petite scène. Et elle était juste au bout de la chine. Et là, c'est une petite vidéo, mais là, on est posé, genre au plein milieu, comme ça, de la moquette. Parce que franchement, c'est super mal posé. Je suis morte. Je suis complètement assise. On va jouer à un jeu qui s'appelle Keep Talking and Nobody Explodes. On va devoir jouer avec quelqu'un qui va nous aider à ce qu'une bombe n'explose pas. Voilà. Tranquille. On a 5 minutes et il n'y a que 3 modules. En ligne et c'est plus rien avec le jeu en solo. Donc, du coup, tu joues 100 fois plus. Du coup, ouais. Flaque de vomi, une meuf en talent qui arrive et qui découvre ça et elle panique et elle fait tomber des affaires. Donc, c'est une catastrophe, tu vois. Son sac, c'est tout. Elle ramasse tout ce qui n'a pas touché le vomi. Et il y a quelqu'un qui était avec nous qui fait excusez-moi, madame, vous avez oublié cette femme là dans la flaque. Et les japonais savent pas dire non. Donc, ils font ah, merci de me l'avoir précisé. Et du coup, elle a dû ramasser son truc qui avait touché le vomi, elle a rangé, mais elle était verte. Elle était là, genre, merci beaucoup, les Occidentaux, je vous remercie. Alors, c'est la fin de la vidéo City et j'ai rencontré une abonnée, donc on va se diriger vers la sortie. Mais donc, elle était très adorable, elle a mis une photo et je l'ai mis une petite lettre. On est avec Héloïse. Dis bonjour, super contente. Rue des Champs-Élysées. Ah, je suis venue. Oui, avenue, excuse. La plus classe. Parce que la dernière fois que j'étais venue, c'était il y a super longtemps, genre il y a 10 ans en fait. Donc vous imaginez bien que j'étais petite. Donc pour ceux qui demandaient, j'ai 20 ans. Le chien de Héloïse fait sensation. Donc on est sur les champs. C'est déjà fini la Vidéo City. Là il est 23h, on va prendre le bus pour rentrer à Strasbourg. Complètement HS. Du coup on a mangé sur les champs et c'était trop bon. Super pizza. J'espère vraiment d'avoir rencontré du coup Héloïse de la chaîne Héloïse Beauty. Je vous mets sa chaîne ici. We were staying in Paris. To get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now, I don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else.